Hello tout le monde, c'est Silent. On se retrouve sur Binding of Isaac, Repentance. On va continuer nos runs avec le petit Samson en hard toujours. Enfin, Samson, Tainted Samson. Que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup autant que je déteste pour le moment, puisque la run d'avant, le Berserk était un petit peu nerf. Enfin, était un nerf pour moi au niveau de mon build. Mais c'est pas grave, c'était chouette. Franchement, c'est bien passé, on a réussi à faire ce qu'on voulait. Donc là, négative. Ah, j'en ai tellement plus. Du coup, j'ai le truc qui fait des dégâts pour recharger le notre item activable. C'est pas fou. Disons que c'est là, et puis voilà. Okay, on a déjà notre salle dorée qui est là. On a la salle à sacrifice là aussi, à point de vie. J'aimerais bien peut-être aller dedans. Sacrifier quelques points de vie. Si on a une chute de points de vie qui tombe, ce serait cool. Toujours bien d'avoir potentiellement un item qui tombe en plus gratos grâce à ça. Puis de manière générale, faut prendre des risques dans le jeu si vous voulez vraiment forcer les runs au fait qu'elles se passent bien, quoi, simplement. Picking Cheers? Non, c'est Scissors, ok. Donc ça, c'est le truc qui... C'est pas Picking Cheers, du coup, c'est là où ça coupe... ma tête, et mon buddy il va foncer dans le tas, donc moi je contrôle encore la tête et je vole, si je dis pas de bêtises. C'est le meilleur, je crois. Picking Shears c'est l'inverse, c'est genre tu contrôles le corps qui fait de la merde et la tête, je sais plus, je crois que c'est un truc dans le genre, bref. Il y en a un des deux qui a chié, je crois que là j'ai chopé le meilleur. On verra bien au boss de toute façon comment ça se passe. Ok, quand on est en berserk, pourquoi pas, je crois que ça augmente la taille de l'arme du coup, mais ouais. On va pas tarder à passer en berserk au passage. Ah, ça augmente la taille de l'arme donc. Ah, shit. Viens là toi. Bim, stapler. Ah, la pièce, j'ai pas réussi à la récupérer. Tant pis. Du coup, marchand. Ouais, des points de vie qu'on va pouvoir acheter. Salle secrète, elle est potentiellement juste là. Maintenant, j'ai pas spécialement envie de la faire de ce côté. J'ai envie de la tester de l'autre côté. Pour récupérer les cœurs pour le sacrifice, justement. Vous voyez? Faut réfléchir dans ce jeu, les gars. C'est pas compliqué, mais si vous planifiez votre truc correctement, généralement, le jeu vous récompense. Waouh. Jamais vu ça. Jamais vu 5, 3 fois 5 pièces de... Enfin, 3 fois des pièces de 5. Pff, trop cool. Alors, on va déjà en sacrifier 2. Bam. Et bam. Ok. Dommage. On va acheter le cœur au marchand. Bim. On va acheter ça aussi à 3 pièces complètement worth. Emperor, The Lovers, excellent. C'est quoi, on va... Hop. Donc là, ça fera 4. Bim. Et bim. C'est marrant, le You Feel Blessed d'avant, il prenait pas autant de place à l'écran. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il prend la moitié de l'écran. Je sais pas s'ils ont merdé un truc ou autre dans leur update, mais... Bah, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Là, je comprends pas. Donc ça fera 5, 6, si je dis pas de bêtises. Voilà, 7 assez facilement, après ça risque d'être compliqué la suite. Ok, on a un petit cœur qui est tombé encore. Sauf que là, il n'y a pas assez de points de vie qui traînent à gauche à droite, donc ça risque d'être chaud du cul. Donc choix numéro 1, on cherche la deuxième salle secrète et potentiellement il y a des trucs dedans. Et du coup on aim là-dessus, la batterie on s'en bat un peu les couilles. Et peut-être qu'on prend ça et ça. C'est peut-être le plus intelligent dans le lot. On va tester la deuxième salle secrète. On va tester là, ici. Testons, testons. Shot. Il y a pas mal de possibilités au niveau de la carte hein. Peut être là, 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 il y a encore trois endroits donc
écoute, on va tester là et puis voilà. Hein. Yes. Oh. Écoute, c'est très bien parce qu'on peut le faire sauter maintenant. Ok. Donc là, sacrifier 2 cœurs de plus, ça va encore. C'est pas trop trop chaud. C'est à partir de la suite que ça va être tendu du string. Oh. Head and soul. Ok. Ça nous fait spawn 2 items activables. D'ailleurs, le boss. Ah non, c'est pas encore. Ah, c'est le suivant. Ok, on a cœur noir. On va acheter le cœur. Le Saulert là-bas. Bim. Je vais prendre la carte aussi au cas où. Ah, dommage. Dommage, dommage. Bon, alors là, du coup, c'est l'ange. Le premier. Et c'est la phase d'après qui est importante, parce que ça peut nous lâcher une shield pièce ou de Saulert. Comme ça. Ah, merde, j'ai pris un coup. J'ai pris un coup, j'ai pris un coup. C'est plus possible. Bon, gardons la Hidden Soul et barrons-nous, du coup on pourra pas sacrifier plus. Non, on a niqué notre possibilité là. C'est pas grave. Non, non, non. Garde tes bombes tranquille. Donc, ça va faire deux objets de pédestal. C'est pas précisé si c'est... comment dire... ouh, bonjour. Ah, ça aurait été un cœur, ça aurait été cool. Si c'est des objets de l'ange ou pas, je crois pas, je crois que c'est vraiment random. Donc faut qu'on fasse juste 24 pièces je crois pour le reload à fond. Et après c'est parti quoi. Alors, on va jouer le plus safe possible. Ah là 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 là, je les aime pas eux. Non non non, pas là, pas là. Oh putain, j'ai joué à la, à la raquette avec son truc. Je viens d'ouvrir ça pour chercher un Saulert tout. Ouais, 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 ouais. Bon, salle de réalance-y. Ça c'est le normal, c'est le premier, bah, vas-y on va le prendre. Le 2 points haut j'aime pas trop, même si tire. Je crois qu'il fait plus mal le 2 points haut, mais bah, il fait un peu de la merde à partir en couille dans tous les sens. C'est un deuxième charge, cool. Robot Baby il l'a terminé je crois, donc pas mal. Après pour les mobs c'est un peu de la merde ces bébés, parce que ben, enfin ces buddy, parce que ils pleurent pas très loin en fait au final. Si je fais ça, ça libère les deux espaces normalement. Et du coup, vu qu'il tape pas avec une sur un grande va dire ligne, et ben souvent vous allez rater vos coups en fait dans le vide. Ah, ça on s'en met là. Là. Let's go. Shot. Gulp, j'avais un trinket ou pas? Non. Aïe, j'ai merdé. J'ai merdé, pardon. Ah mais pourquoi je vais bouger de là? Je me place à des endroits juste pas possible pour faire ce boss. Alors saute, voilà. Bon, pas de pacte à cet étage, c'est pas grave. C'est ma faute, hein, j'ai fait n'importe quoi. À me placer comme un pancake. Alors que j'avais trouvé mes bons setups la dernière fois, je fais non. Tant pis hein. Ok, boss c'est fait. La ceinture c'est pas ouf. Allons voir ce qu'on a laissé derrière. Il y avait la carte Emperor. Judgment aussi, ok. Peut-être garder notre carte Emperor. Ah, je pense que c'est le mieux dans le lot. Du
On va claquer Judgment. Mais on va essayer de la claquer à côté de potentiellement la salle secrète qui doit être ici. Ah, c'est toi. C'est chaud, je veux pas. Trop bas en point de vie, les gars. Hierophant. Bon bah. J'aurais bien voulu l'avoir avant. Hierophant. Putain, je le prononce tellement mal. Et même là, je le prononce comme un cul. On va se barrer, simplement. Pertro, c'est bien, mais... Ah, je sais pas. Pertro, c'est quand même bien. Regardons Pertro. Ok, il y a vraiment de la merde. Au moins, on peut switch une fois. Ça va. C'est pas la fin du monde. Shit. Eh ben, c'était vraiment clean. Vraiment clean, une petite ligne droite. Franchement, je suis super content. Tears up, let's go. C'est comme ça que ça doit se passer, les gars. Bam, la ligne droite sans réfléchir. Et... Waouh. La petite corne, je sais pas ce que c'est, c'est nouveau pour moi. Mais j'ai bien envie de prendre ça, c'est vraiment bien, généralement. Sauf que je vais prendre ça d'abord. Alors, qu'est-ce que ça fait? Build rage every time a room is cleared. Fires a large brimstone at full rage upon entering the next room. C'est cool. Hop, donc ça développe. And donc ça augmente les dégâts, si j'ai pas de conneries. Ça rajoute 3 cœurs noirs, donc c'est bien. Et puis voilà, c'est bien. On a ça qui est prêt. Bon bah, écoute, all stats up et puis 2020. Je pense que là, dans l'eau, on pouvait pas demander mieux en fait. Genre, c'est violent. C'est vraiment violent là. Putain! Ah, ça donne limite envie d'aller à la Beast ou à la nouvelle mom là. Hein. Là, vu comment on est déjà bien, waouh. Je pense qu'on va changer notre route, hein, les gars. On va changer notre route, hein, je vous le dis d'avance. Hein, là. Full elf, ok, dommage. On a des petits points de vie à lui, hein, parce qu'on veut son petit pacte gratos là. Allez, fais pas le rapace. Fais pas le rapace, j'ai dit. Non, 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 no rapacito. Hein. Let's go, let's go. Ok. Salle dorée. Ouais. Pardon, les gars. Pardon. Calmez-vous. Fear him, Lil Hunt. Hunt. Je sais pas. On prend ça. Donc, flamme blanche était à droite là. Mm-hmm. La secrète elle peut pas être là. A priori elle peut être là-bas à gauche. Checkons vite fait. Non. Bah elle est là du coup je pense. Allons voir de l'autre côté. Mais normalement c'est clean hein. Ouais. Wouah, c'est bon. C'est bon. Donc miroir. On peut aller là-bas en bas déjà. Bon, ok, on va devoir refaire le backtrack, c'est pas grave. Bim 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 bim, le cœur rouge, ça fait plaisir. Par contre, j'ai pas vu la brimstone qui se build, attends. Donc, rage, build rage every time a room is cleared. Ah! There's a large brimstone at full rage. Mais je sais pas quand c'est que. Je le sais que je suis en full rage, mais. À un moment, il y a une big brimstone qui va partir, les gars. Voilà. Je le call. Il y aura une big brimstone maintenant quand. We never know. Oh! Bah. Désolé les gars. Hein. Ça fait un clean rapide de salle, vraiment propre. Hein. Du coup, première partie du couteau. C'est pas là, c'est de l'autre côté. Yes!
Le petit cœur supplémentaire, hein. Pas s'en plaindre. Là, on est gratuit là-dessus, il peut pas me toucher normalement. Il y a de nouveau un cœur rouge qui est tombé ici, donc on pourra faire un petit backtrack pour venir le récupérer. On est transformé, let's go, let's go. Rush, 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 rush. Oh putain. Pff, le pauvre, c'était encore plus violent qu'avant, quoi. The Meat. Excellent. Excellent. Franchement, ouais. On va à la môme, les gars. Là, c'est plus dur en fait, donc je préfère aller là-bas avec ce build. Clairement, on va pas se faire chier. Hein. Prenons les bonnes décisions, comme je le dis souvent. Faut réfléchir dans ce jeu. Prenez les bonnes décisions, prenez le bon itinéraire. Et normalement, tout devrait bien se passer si vous jouez correctement. On va tuer l'araignée qui est là pour recueillir un loot. Ok, la petite bombe. On prend. Donc, miroir, on donne nos cœurs. On vient ici, on récupère le 1 cœur ennemi s'il nous a rien donné toujours. Et puis après on se barre, une fois qu'on a fait ça. On a deux bombes donc on a clairement de quoi aller aux mines. On est bien, franchement on est bien. Bim. Ah, The Void, ouais. Un peu radin, hein. On va aller voir le marchand, on a assez de thunes, hein, j'y pense. Restock, écoute j'ai pas assez de thunes donc on va peut-être le changer. Ah mec, là qui perd trop ici serait con, non? Ah, serait con, par contre ça... C'est pas mal. Ouais. J'ai juste un souci en fait maintenant. C'est que... Ouais. En fait, si je me retransforme en The Lost et que j'aille récupérer les cœurs de l'autre côté, je pourrais pas les donner parce que je serai encore en The Lost. Donc ça, c'est un peu chiant. Un petit peu chiant. On va déposer ça là. On va... Black Rune ça pour faire une mouche. On va quand même aller récupérer les cœurs ou... Ah, on va se soigner à l'étage suivant, c'est pas grave. Allez hop, let's go. On peut chercher la deuxième salle secrète potentiellement et avoir plein de cœurs dedans. Bon, ok du premier coup. Ok, bon, tu sais quoi, on va donner quelques cœurs noirs. Et... C'est pas grave, ça peut le faire. Allez, sois cool. C'est ma première. Bon écoute, on va la prendre. Moi j'aime bien les seringues donc ça peut être sympa. Si on en chope deux autres, il y a le spawn qui proc. Franchement cet étage propre à nouveau, hein. Propre. Que des bons items. Il y a rien qu'à acheter franchement. Même les trucs qui sont un petit peu moyens, genre... Qu'est-ce qui serait moyen dans le genre bah, peut-être le poison touch, c'est pas ouf pour le moment, mais bon. Déjà de 1 ça me protège quand je fais de la merde vu que ça envoie un gros burst aux ennemis qui me touchent. Et 2, ouais comme je l'ai dit, ça proc le spawn, c'est vraiment le feu les gars. Ça va péter. Bon. Waouh. D'abord on a une shit tune pour le marchand maintenant. Aïe, je fais n'importe quoi. Des fights vraiment médiocres, quand même. Bon. Là-dedans. Ouais, on pourra en faire sauter quelques-uns. C'est plus intéressant de faire sauter ça. Et ça. Récupérer une clé sur les deux, c'est pas mal. Ah putain, c'est chiant. Let's go, let's go. Oh merde, c'est le marchand, bon. Puis le marchand, il vend rien de fou là, c'est... J'ai rien dit. C'est excellent. Let's go. Alors, on va prendre... Ça, of course. Karma.
salle du boss trouvée. On a déjà tué le marchand, donc on peut y aller directement. Ah, c'est chiant, on vient de frapper le berserk au mauvais moment. Ok, doucement, bim, bim. Tac, tac, tac. Joli snipe. Pigeon Boy, ok. Et hop, Satan qui ouvre ses portes. On avait deux cœurs, si je dis pas de bêtises. Prendre ça. Damage up, range up, control the tears. Sauf que elle peut pas être là, mais elle pourrait être. Non, pas être là non plus, du coup. Là, c'est fort possible. Quelle violence, c'est l'arme. Ah, on a le nouveau truc. Testons un peu. Mon dieu. S'il te plaît. Ah. Ok. Bon bah c'est sympa. J'aime bien le principe. On fait sauter ça. On fait sauter ça. Est-ce que j'ai envie d'avoir la game kid? Pas vraiment, donc s'en fout je pense. Ouais, quoi que vas-y, allez, pour le fun, on teste encore un coup. Ou deux. Yes! C'est marrant, j'aime bien! Tammy Z, Tammy serait pas mal là. Mais gardons la game kit, c'est déjà bien, franchement, c'est cool. Pas là la salle secrète. Alors, ce qui est cool, c'est que je peux, genre, rentrer là-dedans, claquer cette merde, récupérer ça et me barrer. Ça, c'est la première grosse utilité de la Game Kid, c'est de se rendre invincible pour skip des choses. Elle pourrait être là en fait aussi, maintenant que j'y pense. Ouais, hein, c'est là. Bon, en soi, on a assez de thunes, on peut se faire plaisir avec la machine, c'est la première fois qu'on la voit. On se fait plaisir ou pas? Ah, mais la Tammy, ce serait dommage, parce que là, c'est. Je repaye pour un activable en fait. C'est trop cool par contre d'avoir ces nouvelles machines, je trouve ça vraiment chouette. On va faire péter la machine là-bas au bout. Ah mais c'est vrai que j'ai la réduction au marchand. Non, tranquille, gardons de la thune. Marchand il est à moitié prix les gars. Ah la machine c'est cher quand même, 5 pièces par 5, c'est ouais, c'est pas donné. Deuxième salle secrète, on peut checker, hein. On a cette bombe, checkons là. Ok, ici peut-être. Ok, il y a en haut du marchand là-bas et puis à gauche du marchand, en bas de la salle d'arcade, enfin sur la salle à gauche en bas. Ouais, bon, il y a d'autres endroits, mais il n'y a pas que ça à faire. Barrons-nous. Un très bon étage à nouveau. La pièce de 25, les sols, les bombes, le Pigeon Boy, le truc contre les tirs damage up, etc. La petite light, puis le Game Kid. Hein. Franchement, non, pas mal. Pas mal du tout tout ça. On va aller chercher. Rush. Ah là 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 là, le con. Bon, allons là-dedans, tranquille. Sagittarius, c'est les Piercing Tears. Ça peut être sympa, mais j'en ai pas besoin pour le dernier boss, non. Après, pour les salles de manière globale, c'est pas mal. Hein. Là, j'ai pas les Piercing pour le moment. Non. Allez hop. Let's go. Alors, j'ai de nouveau. Ça s'appelle comment ça, Curse of the. Unknown? C'est Unknown? Ah non, non. Ah! Je suis juste à un cœur et demi en fait. J'avais pas l'impression que j'avais autre. Ça commence à m'inquiéter là. C'est pas que j'étais si bas. Bah merde, hein. Pas Gideon. Oh là là là. Forcément, hein, il le fallait les gars.
Comme je le dis, à chacun de voir un Gideon les gars, have fun avec cette merde. Tac. Là, c'est pas le moment, c'est pas le moment. On bouffe ça, on bouffe ça. Je peux pas la tuer, mais on va la tuer soon. Ok. Il y en a une autre. J'ai pas la range. Shit! La porte elle a spawn sur moi quoi, ça m'a sacrifié un cœur directement. Oh merdouille quoi. Dans une merde là. Oh putain, demi-cœur les gars, et je peux pas. Ah oh, là là, je peux même pas y aller dedans quoi. Oh là là, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue grave là. Ok, on va faire un truc, c'est qu'on va checker si déjà la salle secrète elle peut être là-bas. Quelle. Non, elle peut pas être là, putain, c'est une petite salle. Oh là là, j'aurais dû pouvoir aller là-bas. Ok, yolo les petites salles d'abord. Ok, on a le marchand, s'il te plaît. Oh là 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 là. Je pensais que t'étais cool le marchand, je pensais que t'étais cool, mais là... c'est trop quoi. Ah, j'ai pas à mentir, ça va être tendu là. Faut qu'on trouve la deuxième salle secrète et qu'il y ait une chier de sauveur dedans en fait. Reste tranquille, c'est pas forcément perdu. Ça va être très dur, mais c'est pas forcément perdu. Je mens, je mens, je mens, je mens en fait. Je mens, juste mens. Putain. Fais chier, il était bien, il était excellent le build. Fuck. Ah ça me saoule. Mets la flamme au sol, nique toi. Please. Bon, on rentre en rage à nouveau au moment où on le tue quoi. Bim. Ah, je suis un peu déçu là. Je pensais pas que j'avais pris autant cher quoi, mes Sawlers ils ont fondu, mais c'est dingue en fait, je sais pas comment j'ai fait ça. J'ai dû me prendre des millions de coups sans m'en rendre compte, mais j'ai même pas fait attention quoi, je... Ça me fatigue. J'ai failli ramasser ce cœur, j'aurais pété un câble. Tac. Bon, ça va, c'est pas le pire. Ok, little chubby. Pas ouf non plus. Pas ouf du tout même. Ah là là. Bon. Bah, étage normaux, du coup, on n'a pas de clé. Hein. Bon.
peut être là ou en bas. Toujours pas de clé. Mais on a plein de bombes, ça va. Du coup, on va essayer de trouver la deuxième salle secrète qui a l'air un petit peu obvious. Il y a deux spots, c'est là. Ou alors c'est là-bas en haut. Écoute. Voilà. On a fait tout ce qu'on pouvait pour récupérer une clé. Elle a pas voulu tomber. On se barre. Putain, il fait chaud, les gars. C'est la tempête dehors. Il pleut comme pas possible et il fait chaud. Oh là là, il me faut une clé, les gars. Il me faut une clé. Ah, la bibliothèque, je passe pas à côté de ça, hein, quand même. Pas déconner. C'est trop, trop fort. Let's go. Aïe. Je savais que si je récupérais pas ce cœur rouge, j'étais condamné. Je le savais. Mais j'ai dit, c'est pas grave, tu tentes. Fais le bonhomme. Eh bah ben non. Le jeu, il m'a mis une petite tape derrière la tête. Oh, mais s'il te plaît, quoi. S'il te plaît, Silent, arrête là. Arrête les bêtises. Putain. Ah, mais j'ai chaud, mais c'est pas possible, quoi. Let's go, let's go. On ira le récupérer après. Je sais pas pourquoi je suis rentré là-bas dedans. Allons récupérer, peut-être ça fait un truc avec les petits caca là, mais j'ai aucune idée de ce que ça fait. Peut-être que je l'ai déjà eu une fois, mais là mes souvenirs ils ont complètement effacé ma mémoire donc. Je ne sais pas, les gars. Une petite pièce. Alors, oh no. Ah, mais c'est le. Ok, c'est la brimstone du cul. Je suis pas fan du tout de ce truc, mais ok. Quand tu te fais chase, ça va, mais quand tu te fais chase, généralement tu pleures dans la direction du gars qui te chase, donc. Ouais, c'est discutable, les gars. C'est pas ouf, je trouve. Bon, propre. Tears up. Récupère des cœurs. Là, ça a pété. N'a pas de bombe. Toujours pas. Écoute, on va se barrer. Hein. C'est dommage parce qu'il y avait une salle avec pas mal de trucs là-bas, mais bon. Le jeu m'a dit non. Tu te tais. Tu fais comme on choisit. Ok. Bah, tant pis pour moi. C'est nous une biotech, hein. The Bible. Ouais, mais on va plutôt prendre ça, nous. Si on a besoin de voler, on viendra la récupérer, mais sinon, on s'en fout un peu. Ah, j'ai pas bougé, je suis un enculé. Cool. Ah, c'est chiant. Let's go. Let's go. Il y a un caillou marqué là, de toute façon, donc ça peut être sympa. Super, super. Ouais, on s'en fout, c'est ce genre de salle à la con là. Écoute, on y va. À droite. X-ray vision. Ok, ok. Cool, cool, cool. Toutes les salles secrètes sont à nous, les gars. Et là, on l'a chopé dès le début, donc ça va être de la folie. Ouais. Ça m'intéresse pas des masses qui vont. Let's go.
Double cool. Ah, il y a du bon là. Par contre, la Bible, on va aller la récupérer directement pour aller voler là-bas et récupérer les petits coffres. Ok. Bim. Bam. Boum. C'était ok, c'était pas fou, mais... Ça va. Les gars, ça va. Arrêtez de dire que c'était nul, ça va. Rentre là-dedans. Ouais, ok. Bon, ce qui est bien avec le Book of Belial, c'est qu'on a plus de chances d'avoir des packs, donc à chaque étage, on pourra se mettre très très bien. Si je me fais pas troll par le book, hein. Enfin par le Satanus, et par mon gameplay aussi, hein, parce que... Let's go! Des très bons dégâts déjà, hein. Pas se mentir, c'est excellent. Ah, le petit cœur noir, mais quel plaisir. Ok, let's go. J'ai bien envie de te dire, on prend tout, mais... Pourquoi le dead cat maintenant, quoi? C'est... En soi, il coûte 2 points de vie, le dead cat. Bah, let's go, hein. Le cœur squelettique, je le garde normalement. C'est pas mauvais de le prendre parce qu'en soi ça me donne 9 vies déjà, donc c'est excellent. Et qui plus est, second truc, c'est que ça me donne un premier item de Guppy en fait. C'est ça, c'est le plus important dans la liste. Attention, on fait tout sauter. Ok, on va aller à gauche, voir s'il n'y a pas un truc. Salle de miroir, très bien. Puis le Brother Bobby, c'est le meilleur pet du jeu. Pourquoi on prendrait pas Brother Bobby, les gars? Brother Bobby, c'est le feu. C'est le feu complet. Ah non, c'est l'un qui pleure sur Brother Bobby, là. Franchement, qui vient de me le dire en face. Hein. Meilleure famille du jeu. Ok, narine sanglante, on va pas pouvoir y aller dedans. Shit. Pourquoi t'es là-bas, toi? À gauche. Continue. On part dans l'autre sens. Vite. Aïe. Boss. Pas mal. Les bonnes décisions au bon moment là. Putain. Ouais, franchement, ça t'apprend à vraiment bien jouer et vite. Faire des réflexions de fou quoi en fait avec ce perso. J'aime bien, j'aime beaucoup. On va déjà prendre ça, let's go. Brimstone, mais c'est excellent. Non, j'ai pas besoin d'avoir Ouija board, j'ai la brimstone de mon pote maintenant. On va faire comme on l'a dit avant, on a un bon build, on a la brimstone du cube, c'est la brimstone normale, mais c'est la double brimstone, mais c'est incroyable. On a quel étage? Dross 2, ok. On va du coup faire. Je suis pas convaincu de ça, mais ça par contre. Waouh, ce petit sac est incroyable. On va faire la mom à nouveau, on va retenter. Hein. On a un bon build déjà. Ça. Leo, Stompy, bon bah. On va tout casser les gars, c'est le passage. Il y avait des crawling space qui traînent, cassons un petit peu le truc. Bon étage à nouveau, hein. En plus on a une autre pacte et tout, donc franchement excellent. J'ai pas de m'amuser à tout casser, c'est un peu long et chiant quand même. Donc, je vais casser un peu ceux qui traînent sur le chemin, mais je vais pas plus me prendre la tête. Ça on va pas marcher dessus, surtout pas. On récupère cette clé, on se transforme, on va dans la deuxième salle secrète où j'ai pas été aussi, je sais pas ce que je fous, je suis un peu endormi. Allez. Ça c'est un peu dangereux de les casser au cas où, hein, donc faites le pas si vous sentez en danger.
Ah, du coup, la flamme blanche était par là, je crois. Hein. Ouais. On peut aller dans la salle. Comment ça s'appelle? La sacrifice là. Sacrificial room, let's go. Beep. Poop. Ciao. Donc il nous faudra deux bombes. On a deux bombes, donc ça c'est cool. Déjà, j'aurais pu passer par rond, puisque de toute façon, voilà, j'ai le visu sur tout. Let's go, let's go, let's go. Ça sert à rien d'y aller, hein, je. Non. Que je les aime pas eux quand ils meurent, c'est un peu flippant. Ok, première partie du couteau. Bam, on passe par en bas. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma brimstone moi? Ah, je me suis transformé. Ah. Ça m'était sorti complètement de la tête que je vais me transformer les gars. Putain les boules. Ah. Ok ok, rentre là dedans. Tranquille. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout est sous contrôle. Ah là 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 là, Goléos. Ok. Pff, ça m'a stressé. Ça m'a stressé. Mom's lipstick, ok. C'est pas fou, mais prenons. Tube club, ça vas-y, les bombes. Ok, on se barre, on fait rien de plus, ça sert à rien. On va juste récupérer la clé qui est là. Le petit cœur noir qui est là. Ici. Et on se fucking barre. J'ai les boules de rester en The Lost là. Comment j'ai hésité en mode ah je vais les marcher dessus ou pas? Non, qu'est-ce qu'on vite fait ça? Barrons-nous le plus vite possible. Les deux salles secrètes c'est fait, marchand c'est fait, ça c'est bon aussi. Ah, une pilule là. Ouais, ça va être un peu bizarre de passer de Brimstone à. Accord, accord, en fait, ça va vraiment être chelou, les gars. Brother Bobby, ne pleure pas sur les bombes, s'il te plaît. On attend. Let's go. Ok. On a combien de temps de vidéo? 43 minutes. Bon, ça va. Bah, écoutez, les trois premiers étages, franchement, rien à dire. C'était propre, 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 propre. Oh putain de sa race. Tranquille, tranquille. No stress, décale vers le haut. Ok, tu vas bientôt finir. Nickel. Prends ça, The Empress c'est incroyable. Ça on va pas le prendre, on n'a pas besoin. On a pas assez de cœur rouge. On peut le casser gratuitement. Faire le pont. On va la laisser là pour le moment. Je sais pas si j'ai envie d'en faire quelque chose. Arène. Stapler, c'est cool. On va activer ça. Ah, ça les fume pas d'un coup. J'ai pas encore assez de dégâts. Brrr. Alors, jeu d'astang, je crois que c'est pas trop dégueu. Ça fait que les packs qui coûtent moins cher, si je dis pas de conneries. Prenons ça plutôt. Ah ça fait de la merde avec mes tirs ça non. Ah ça les lance toutes seules du coup mes brimstone. Ok. Je sais pas que c'était possible mais ouais. Chaos. Oh là là les gars c'est le moment pour le chaos. Je sais qu'on va me cracher dessus si je le prends pas donc let's go. The Empress. Ok. Bon bah chaos it is. Ça va être le bordel les gars. On risque de refuser la plupart des packs du coup. Bah écoute.
J'ai limite envie de lui donner pour qu'elle me donne des Soul Heart. De nouveau? Ouais. Ouais, on a de toute façon on a les pieds dorés donc allons-y. Hein. Monkey's Paw. Et mais c'est la fête au Trinket là, c'est comment? C'est assez spécial à jouer, hein, je sais pas comment tient, parce que. Du coup les brimstones elles partent pas vraiment où je veux mais sur les boss ce sera plus simple à utiliser je pense. Waouh c'est fort quand même. Oh ah ouais c'est putain de fort par contre les mobs avec la forme berserk là. Bah non en fait ça marche pas comme je pensais. Je sais pas ce que c'est Jawbone. Ah non mais je sais. Il y a des trucs qui fait un boomerang et qui peut récupérer des objets. Bah c'est pas ouf mais. Quand on l'a eu, on l'a eu, on va pas cracher dessus. C'est fait, c'est fait. Bim bim bim. Là c'est assemblé à nouveau bientôt. Bah merde hein. Boum boum. Encore des trinkets mais c'est pas possible. C'est la run au milieu un trinket quoi, genre il y en a eu au moins, je sais pas, peut-être 10 déjà à cet étage. Violent. Ah c'est un peu bizarre comme but, c'est vraiment chelou. Mais c'est marrant hein. C'est juste bizarre quoi. En fait la brimstone que tu cherches pas, j'ai jamais vu ça de ma vie quoi. Deuxième salle secrète, on l'a trouvé, ouais, c'est bon, vu qu'on a le truc qui dévoile de toute façon. Eh bien, barrons-nous, quoi, en fait. Barrons-nous juste. N'a pas eu de pacte à cet étage. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah, j'ai eu Jawbone, c'est vrai, parce que j'ai pris Chaos et du coup, ça a foutu la merde dans toute la item pool. Faut pas oublier ça. Du coup, chaque marchand sera assez worth là, à checker, parce que ben, pour 15 pièces, on peut potentiellement choper des trucs complètement craqués. Donc, il faut chercher partout. Partout. J'irai bien là-dedans, mais pas maintenant. Une fois qu'il y aura un cœur rouge qui a drop, pourquoi pas. Ok. Bon. On a que des malus dans les pilules, j'ai l'impression, dans cette run. Allons reprendre juste ça, ça va se mettre bien. L'arène sanglante, j'y mettrais bien les pieds, mais malheureusement, il n'y a pas la salle secrète qui était adjacente, donc. Not possible. Ça me fait peur. Let's go. Ah merde. Vite, vite, vite. Ok. On l'a dedans. Le petit milk, non. Oh putain, ok. Attends, mais il s'appelle Rotten Tomato. Ah merde, c'est un clin d'œil au site de critique qui est assez méchant généralement, mais assez correct, je trouve. Si vous voulez voir des bonnes critiques de films ou d'animés ou de n'importe tout ce qui est animation, quoi. De manière globale, bah allez sur Rotten Tomato, les gars. Boom, boom, boom. Oh shit. Ah, frère, t'as ton cul qui est bloqué derrière le rocher, quoi.
Et imaginez, vous avez votre cube bloqué dans une pièce à côté, quoi. C'est chaud quand même. Tu commences à te poser des questions sur comment ton corps il est formé, quoi. T'es là, mais mec, je suis un samouraï de l'espace ou quoi? Je pourrais déjà faire ça, prendre ce cœur et redonner ça, histoire que ce soit fait. Allez, va dessus. C'est vrai que on a pris KO du coup. Les objets parfois sont un peu merdiques. Trop bien. Par contre, j'ai pas une perte de points de vie, donc safe. Ok. On va les faire sauter. Hein, voilà. Bim. Alors, le truc c'est que je pourrais perdre un cœur pour aller là-bas dans la salle. Je perdrai pas de cœur, ok. Après, je prends le risque de niquer mon pacte au petit Satanus à l'étage suivant si je fais de la merde. Écoute, on prend le risque. Hein. Ah, malgré qu'il y ait Chaos, ça peut être sympa ce qu'il y a dedans. Ah, mais d'abord, on va faire. D'abord, on cherche le couteau. Décollons pas comme ça, si on merde le couteau, au moins on sait qu'on arrête nos conneries directement. Est-ce que je peux prendre Berserk en prenant des baffes ici? Je pense, hein, parce que là il est déjà à moitié rouge, donc logiquement ça pourrait proc. Vu que tout qui est dans les stuffs de base, normalement vous les emportez avec vous dans cette salle, donc on verra bien. De toute façon, après je sais pas, le proc Berserk, hein, ça va pas me servir à grand chose. À one shot les caca avec mon mon gros couteau, mais dodge la mouche. Let's go. C'est comment je galérais à poser cette clé là. Paf. Ah, ok. Le petit pont. Ah merde. Parce qu'il faut que j'aille là pour débloquer ça. Là. Bim. No stress, ça va le faire. Oula. Non, ça va pas le faire, quoi. Après, ce que je peux faire, c'est perdre mon cœur du coup supplémentaire maintenant pour augmenter les chances d'avoir les pactes au prochain étage. C'est con dit comme ça, mais bah, je pense que c'est peut-être le meilleur truc à faire. Hein. Donc, let's go. Ah, le petit proc de Berserk maintenant, c'est vraiment ce que je voulais. Donc en Berserk, on peut toujours drop notre petite larme en la chargeant. C'est trop chelou comme build, les gars. Jamais vu un truc pareil. Non, tu vas au mauvais endroit, comme d'habitude. Tu es endormi, Silent. Je fais pas exprès, les gars. Vraiment pas. L'activer, ok, oui, un truc sympa qui se proc. Hein. Ah, ta miss head. Waouh, la violence, si j'arrive à la choper. N'hésite même pas, je la prends. Ok, Mozo. Ou Gehenna, je sais pas comment il l'appelle. Gehenna. Bim, oula. Hop, ok, il y en a encore une là-bas. Amnesia, ça peut être sympa, mais pas trop pour moi, je pense. Ça en fait. Ok, il y a deux items, et je sais pas forcément ce que c'est. J'ai même des gros doutes de savoir si j'ai déjà eu ces deux items, je crois pas. Ça me dit rien. Ah ouais, la brimstone là, vraiment. Enfin, la brimstone, ouais, bah oui, c'est une brimstone que je vais prendre dans la gueule. Bah écoute, on va prendre. Power of Love. Mina random stat up for every red alert pickup, ok. Double tap to sneeze. On peut sneeze ?
peux sneeze. Bon, un petit sneeze, mais je peux sneeze. Wouh, je suis un Azazel. Alors, le nouveau truc que j'ai eu là, c'est pas mauvais, mais bah ça me sert pas à grand chose en fait. Parce que les cœurs rouges, je vais pas trop ramasser. À moins qu'il y ait une salle à don de sang, ça a pas de proc. Et je pense que c'est Magda qui a débloqué ce truc, parce que généralement Magda elle fait des trucs qui débloquent au niveau des points de vie. Ça me paraîtrait logique que ça vienne d'elle. Rush, rush, rush. On tue, on tue, on tue. On tue. Eh ben, les deux d'un coup. Hop, hop, et hop. Dégage. Bon, normalement, il n'y a pas de cave marqué de ce que je vois, mais. Comme il en casse un ou deux. Pour la forme. Ça en casse par contre. Vurp. Lemon Party. Mm-hmm. Voilà, là on peut faire des dons. Donc c'est pas mal là. De nombre de clés. C'est nul. C'est un peu nul. Après, on a plus que deux marchands. Donc c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Ça peut être intéressant quand même. Donc on va donner des points de vie, hein, parce que là, on va voir, c'est minor stat up, hein, donc ça va pas non plus augmenter de ouf, mais ça va augmenter un petit peu. Amnesia à nouveau, bon bah, mec... Aïe, 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 le con... Ok, reprends ça avant que tu merdes. Eh, y'a personne qui fait de la brimstone à part moi ici là. Tiens. This. Ok, betrayal. Pas ouf. Ok, on a gagné 0,02 en puissance de tir. C'est pas ouf. Pas ouf du tout. Oh là là, il m'a snappé forcément dans la gueule. Quel enculé. Putain, mais. Ils aiment bien me le mettre, hein. Et là. M'a rien augmenté, ok. Pardon, hein. Ouais, on peut lui donner des bombes, on a chié. Ah, lui va me donner plein de pièces qui vont me servir à rien, mais bon. C'est vrai que... Ouais, ok. J'avais oublié ce détail. J'avais oublié ce putain de détail. J'ai bien envie de faire le boss déjà. Allons-y. Ouais, ça va être facile, l'île. Je sais pas quoi leur nom, mais ils sont pas très forts. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Alors, pour deux salles, je sais pas explorer le reste. J'ai pas envie d'aller sacrifier plus de points de vie là-bas dans la machine, donc on va se barrer. Ah là, le loot. Ah, c'était pas ouf, hein. C'était vraiment de la merde. Bon, Curse of the Lost, ok. Hop. Coucou. Joli snipe là-dessus. Il est transformé. Let's go. Ah merde, là. J'aime bien ces petites quadra brimstone là qui partent à chaque fois, ça fait des dégâts. Putain, j'ai eu peur. Ah bah écoute, on va donner, on va descendre alert, on va se mettre le mieux possible.
Why so blue? Oh mon dieu, c'est atroce. Ok, Crystal Ball, bah ça vient un peu tard, mais ok. Temperance, écoute. On va donner deux petits cœurs, histoire que ça nous booste les stats après à nouveau. Et on la fait sauter. Bon. Range, c'est pas comme si j'avais besoin de plus. Ok, on peut trouver le marchand quand même, on a une chier de thunes, genre une chier. Là y'a rien. TP. Yep, je vais tester ça. Ouh. Je sais pas si j'ai déjà eu. Bon, deux dégâts là-dessus, c'était vraiment la pire des choses qui pouvaient m'arriver et je l'ai fait. Hein. Alors par contre ça, le backpack là, trop bien. On va aller récupérer du coup le... Comment ça s'appelle? Crystal Ball. Comme ça elle commence à se reload et à me faire un chier de cartes de... et d'autres conneries quoi. Surtout des Sawlert dans le lot. Et des cartes si possible Hierophant, ce serait trop bien. Donc super cool. Ok, on va lui donner un cœur par un, lui. Ça va être long, mais potentiellement on peut accomplir ce qu'il veut de nous. Ah, j'ai été touché bêtement, c'était vraiment nul. Écoute, prenons-les. Hein. Prenons ça aussi. Utilisons-la. C'est bien, je peux amener une chier de pièce en enfer avec moi, je dis pas non, hein, mais ça va pas me servir à grand chose. On va faire sauter ça. On va faire sauter ça. Tant pis. On va redonner un cœur là-bas. Coucou. Au revoir. Après, il peut nous donner de la grosse merde. Hein. De nouveau, on a un chaos qui est actif. Hein. N'oubliez pas ça, les gars. Bon, écoute, ouais, si un pick-up de cœur, ça peut être sympa. Ça, c'est une arène sanglante, donc on va pas pouvoir y aller. C'est dommage. Je sais pas s'il me reste d'autres choses à faire dans l'étage. Je crois que vers le bas, j'avais pas été ni à droite là. Ok. Paf. Ok, bim. Des HP up. HP up, ça alert, tout ça. On va casser ça. Bim. Là. Ok. Continuons notre bout de chemin. Bim. Excellent. Bon bah ça va, on n'est pas trop mal. Je pense que la run est plus ou moins clean. Hein. On saurait aller jusqu'au bout sans trop de soucis. La nouvelle mom sera done. Putain. Ok. Ouais. Ok. Chance de blind, les ennemis. Boum. Salle dorée, robot baby 2.0, nope. Ok, HP up, c'est excellent. Donc là, on va refaire nos petits dons. En espérant qu'il soit... Ah, à droite là. Ok. Vurp. Je peux vurp à l'infini. Vurp, des vurp, qui vurp, d'autres vurp. On est content ou pas? On est super content des vurp. Incroyable. Non mais rends-moi ma carte. Laisse-moi me barrer. Ouais, on va faire les petits dons.
en espérant qu'il fasse pas son rapace dans le lot parce que on le connaît bien. Hein. Ouais, moi je le connais les gars, depuis le nombre d'heures que j'ai mis dans ce jeu et dans les anciennes versions, c'est bon, je connais. Hein. Qu'est-ce que je disais? Alors ce qu'on va faire, on va laisser ça là, comme ça on peut revenir plus rapidement. On va aller recruter les deux petits cœurs qui traînaient, je crois qu'il y en avait un demi-cœur et... Je suis pas sûr, peut-être un autre. Le doute. On avait un cœur là-bas au bout, non? Juste là. Ouais. Bim. Par toi. On a augmenté la lock de 0,10, pas mal. Quand t'es pas content de ton marchand, fais-le péter à la bombe. Mais pas dans la vraie vie par contre, évitez les gars, ça va vous créer des problèmes. Ah oui, si vous mettez des bombes un peu partout. Ah ça, ouais ça, vous allez vous faire des ennemis, beaucoup d'ennemis, vaut mieux pas. Allez, la petite môme, ça devrait pas être trop dur je pense. Shot. Comment les ch'tonques, mais c'est violent quoi. Le petit off, je sais plus ce que ça fait. You're tearing me apart, Lisa. Spawn temporary orbital on 7 damage. On hit. Ah, quand je me fais toucher, ça. Ok. Ça fait spawn des random. Non, qui pètent dans tous les sens, je crois. Ça, c'est les price bombs. J'ai pas très envie donc. Couteau là-bas, bim. Ah, c'est un peu chiant pour ce boss, cette build là. Super chelou ce qui se passe. Passer de la brimstone qui se tire automatiquement à une batte de baseball de 7 mètres, c'est trop chelou les gars. Le boss est certainement bas à droite donc on va se diriger là-bas directement. Let's go. Shot. Alors active ça. On peut descendre, prendre le raccourci de la salle secrète. Ça, c'est pas cool. Il y a une salle d'arcade, mais je vois pas l'intérêt que j'aille la faire, franchement. Bim, bim, bim. Aïe. Ouh là là. Oh là 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 là. Tube Spade, ok. What the fuck, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis pas mort? Depuis quand je suis un sauleur, qu'est-ce qui se passe? On va distribuer les stats? Ah, on a perdu un dégât et le reste qu'on a gagné, c'est vraiment pas worth. Bon, ouais, dommage. Alors, je sais pas. Ah, j'ai eu des HP up aussi. Bon, ok. Go clean un peu le reste de l'étage. Essayons d'aller à la salle d'arcade, à l'arène. On sait jamais. Nous trouvons la deuxième salle secrète qui pourrait être par là. I'm excited. I'm excited. Ça pue la merde. Ah non, c'est ça que ça m'a spawn, les petits trucs qui tournent en orbite autour de moi. Ok, c'est ça qu'ils veulent dire par orbital. Ok. Ok, deuxième salle secrète trouvée. Chouette.
quête vraiment chouette. Ah, je la sens pas, hein. Je la sens pas, mais... ça se passe pas trop mal, mais je la sens pas, quoi. Je... ah là là. En fait, le moindre hit, il est vraiment très violent, quoi, actuellement. Alors, c'est une des trucs de recharge pour mon truc, là, que je peux procter 1000 fois. Je dis pas non, là, j'ai toutes les pièces du monde, donc tu vas toutes les prendre, mon pote. Toutes les prendre, sans exception, crois-moi. The Sun. Écoute, déjà, on va le proc. Judgment. Lol. Ok, cool. Yes! C'est vraiment ce que je voulais. Je suis très la joie. Merci, le jeu. Écoute. On donne. Continue de donner. Peut-être la polaroid caproc. Bon, je m'en fous un peu de la range limite. Par contre, c'est pour nous donner de la merde toute la journée, faut pas déconner quoi. Gardons The Empress, allons à la reine. Bon bah, never lucky quoi. Ça plaît, du lourd. Waouh! Ça que t'appelles du lourd, mon pote. Eh bah putain, on est pas dans la merde, hein. Alors, je veux pas ton Momstone Nail. Rends-moi ma Julas Tong. Les Golden Bombs, pourquoi faire? Pourquoi faire? I don't know. I don't fucking know. On va faire encore les 10 salles qui restent, je pense. Oh putain, c'était lucky ça, comme je tire. Ok. Bon. Dernière petite salle avant qu'on se barre de cet étage. Oula, les mouches. Les mouches, les araignées. Mouche araignée, même combat, non? Mais oui, même combat, les gars. Ouais, je pense qu'on est pas si mal, mais... on pourrait être un peu mieux, en fait. C'est ça qui est dommage. Il reste pas grand-chose pour rendre la run vraiment meilleure. Yes. Les deux pièces, là, ça a tout changé. Grâce à ces deux pièces, je vais pouvoir, en fait, faire plein de choses. Déjà, m'acheter une maison dans le jeu. Petite maison par là, et après j'installe une petite ferme et on se met bien en fait. On arrête de vouloir tuer des gens, ça sert à rien. Ça sert à rien les gens. Descends. Putain, c'est pas la salle. C'est agréable ça. Bim, bim. Ok, on récupère ça après, let's go. Ah, le poison qui m'a fait mal là. Devil. Coral qui vole, qui se balade. Mais quoi? Qu'est-ce qui m'a touché? Quelle merde m'a touché? Je sais pas. Bon, en tout cas, ça m'a dévoilé la carte. Là, il y a la salle secrète. Des très bonnes pilules hein, dans ce run. Franchement, excellent. Boum, 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 boum. Okay.
Oh putain. Chouette. Qui reste là le temps que notre merde ça parte. Je me dis que me soigner c'est pas forcément une bonne idée parce que... Enfin, des Sawalert oui, mais me soigner ce serait pas ouf parce que elle va pas proc la Polaroid, donc ça sert à rien. Mais maintenant est-ce que j'ai besoin de faire plus de points de vie à farm? Je doute que ce soit utile, donc on pourrait y aller comme ça. On claque tout, le Book of Belial, l'Empress. Et puis bah on tente hein. Ah putain, ah putain. C'est bon parce que quand il y a le Rotten Tomato qui proc, elle se fait des dégâts elle-même. Ah ça que j'ai les caca infini. Ah non, c'était à l'étage d'avant. Je sais pas où c'était, ok. On peut la bloquer avec des bombes quand elle rush, hein. Ça c'est super utile. Ok, putain de merde, ce run les gars, mais on a réussi, on a débloqué Swallowed M18, 80, M80, bref vous m'avez compris, Swallowed M80, je sais pas ce que c'est, je sais pas à quoi ça fait allusion, mais une run de plus valide avec lui, donc un des deux derniers, des deux nouveaux boss, mais bon... Ah, il reste la négative, aller chercher tout ça. Gluid, puis le Beast. C'est pas mal, c'est pas mal. Like, partagez, commentez comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao les gars.